Alors, on imagine les gens qui ont vécu là-dedans. Et on voit les trous en bas où devait passer les poutres. Ici, une cheminée. Il y a dû y avoir quelques gigots de sangliers, de chevreuils, qui ont dû être rôtis à cet endroit-là, au premier étage, et ici la cheminée, l'autre cheminée. Et le donjon. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui a fait qu'ils ont construit ça comme ça. Toujours est-il que ici c'est hyper étroit. Et puis l'entrée, ben, elle est tout là-haut. Oh. Et puis là, on a une vue plus que merveilleuse sur une forêt vosgienne. Un petit arbrisseau qui pousse. On se demande comment il a pu arriver là, comment qu'une graine a pu arriver là. En tout cas, c'est un super beau coin. Encore un des rares coins où il n'y a pas d'électricité, d'électronique, et où malheureusement je pêche à y ramener cet appareil high-tech et toute ma technologie, la physique quantique, dans les appareils. Et tout au bout, la vallée, le Bas-Rhin. Alors si vous voulez pique-niquer, monsieur qui s'en occupe, il voulait pas que je l'interviewe.